Quelques heures après la cérémonie du Vélo d'Or qui a consacré un champion du monde cycliste, Tadej Pogacar, c'est décidément un week-end aux couleurs de l'arc-en-ciel que l'on vit sur la chaîne L'Équipe. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Jean-Luc Robert. Bonsoir Max, bonsoir à toutes et à tous. Ce maillot de champion du monde, vous l'avez vu de près en 2000. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, c'était au Portugal. Vous aviez terminé troisième en triplette. Cette ambiance ici aux Zénith de Dijon qui avait vu 192 joueurs sur la ligne de départ pour essayer de devenir champion du monde triplette. Il n'y a plus que 16 équipes en course. Début des matchs couperets parmi ces 16 équipes encore en lice pour les huitièmes de finale. L'équipe de France qui a fait un sans faute, elle va affronter le Mali. On en fait quoi de ce sans faute inaugural pour les Bleus? On en profite pour accumuler de la confiance. On en profite aussi pour voir les performances de Jean Feltin, qui est le petit nouveau dans cette équipe de France et qui a fait un jeu exceptionnel. Donc c'est bon pour lui et c'est bon pour tout le groupe. Maintenant, on va s'attaquer au Mali. Alors attention à cette équipe du Mali parce qu'ils ont créé une surprise en éliminant la Suisse de Mikey Molinas. Mais je pense qu'on a encore un petit peu de marge. Équipe de France face à l'équipe nationale du Mali. C'est tout de suite les huitièmes de finale pour ces Bleus. C'est un rendez-vous à part, évidemment. Exit les phases préliminaires, aussi accomplie fut-elle. C'est un autre rendez-vous maintenant, à la vie, à la mort. Ces matchs à élimination directe. L'équipe de France est en huitième de finale après 6 victoires en autant de matchs face à la surprise du chef, le Mali, pour la première fois à cette altitude. Jean-Luc Robert, aux commentaires. Et bonjour Max, bonjour à toutes et à tous. Et oui, cette équipe malienne fut la surprise du chef, cette élimination contre cette victoire contre les Helvétiques. Eh bien, a été une surprise. Et d'ailleurs, Laurent Kos, le speaker de ce Zénith de Dijon, plein comme un œuf. 4400 spectateurs qui demandent des applaudissements pour ces aigles du Mali qui, pour la première fois, se retrouvent à cette altitude. Beaucoup de respect. Même si, évidemment, à l'applaudimètre, on vient de passer les 100 décibels. C'est juste derrière nous, d'ailleurs, la marque de ces décibels dans cette salle. Ce huitième de finale, évidemment déséquilibré sur le papier. Jean Feltin, Dylan Rocher et monsieur Philippe Suchot. Henri Lacroix est sur le banc. Je ne suis pas inquiet pour le record des décibels. Il sera battu avant la fin de la compétition. Alors, un premier point. Moyen. On va dire, il n'est pas mauvais parce que le terrain est compliqué. Il y a quand même moyen de le gagner, surtout si Jean Feltin continue son festival. Oui, c'est Drissa Touré. Drissa Touré qui a effectué ce premier appoint. Qui joue avec le tireur Sidi Bengali. Attendez-vous à ce que chacune des reprises, chacun des tirs des Français soit ovationné. Les championnats du monde de pétanque reviennent au bercail pour la première fois depuis 2012. Et ça s'entend, ça se sait. Et surtout les Français qui ont perdu leur titre il y a un an au Bénin sont là pour rien de moins que le titre. Alors on décide de ne pas tirer hein, côté Bénin, on ne s'affole pas. On ne surjoue pas surtout. Bien joué, pas mal. Bon, mais tout le monde est content. Maintenant, ils vont pouvoir y aller parce que celui-là, il est vraiment bon. Composition identique, hein, choisie par l'entraîneur et également directeur technique national de la fédération malienne, Bakou Toumkara. De cette équipe nouvellement constituée puisqu'il y a eu du mouvement au sein de la fédération, élections qui ont conduit à un changement administratif et sportif. On sait de quoi on parle aussi en France, vous voyez ce staff, puisque la semaine prochaine des élections aussi hein, présidentielles à la FFP-JP au niveau hexagonal, et c'est une période, un cycle olympique qu'ont connu également les Maliens, nouveau cycle de joueurs, puisque le seul à avoir été présent l'an dernier au Bénin, c'est Mamadou Koumaré qui est le quatrième homme
qui était au milieu sur le plan précédent, qui nous a été proposé par les équipes de Cyril Martinetto. Il a bien tiré Sidi. Il y a frappé tout de suite. Évidemment que l'idéal serait de le regagner. Rentrer de l'autre, ce serait bien aussi. Et il y a un tour de trop, je crois. Ouais, c'est ça, il l'a perdu. Moineau, un petit tour de trop. Jean Feltin, qui n'était pas du dernier match des Français, match de poule, qui a vu les tricolores s'imposer assez facilement. C'est frappé. Tiré. Dylan Rocher qui attaque bien cette partie. C'est important, les premières boules, les premières amènes. Philippe Quintet l'a dit, c'est quand même beaucoup plus confortable de faire la course en tête. Hein. Jean Feltin, Dylan Rocher, deux joueurs de la même génération qui se connaissent depuis déjà une quinzaine d'années en équipe de France chez les jeunes. Allez, un peu court à la main. Ouais, elle n'est pas sortie. Arrive. Oula, on joue très très vite côté Mali. Ah là, il est arrivé et il en a laissé deux. Peut-être un peu d'empressement quand même. Non. Pas obligé de jouer aussi vite. Hein. On rappelle que le règlement autorise une minute. Alors, surtout quand on joue pas très très bien la première comme ça, qui n'est pas sortie de la main. Il y a une question qu'il faut soulever aussi, celle de la temporalité. On a parlé de ce match de barrage, ce 16e qui n'emportait pas le nom face aux Suisses. Oui. Il était il y a à peine trois quarts d'heure. C'est le règlement, certes, mais il n'en demeure pas moins qu'on laisse de la gomme, mentale plus que physique. Oui, sûrement que là, ce matin, ils ont laissé du jus déjà. Hein. Et puis là, ils ont eu les 40. Oh là là. Oh là là, ah là, ben, là c'est terrible. Ils se perdent tous. Encore, il en a cassé un parce que sinon, il en aurait laissé deux. Bon, il y a quand même moyen d'en glisser une paire, mais c'est vrai qu'ils ont eu les 45 minutes réglementaires. Donc nous, évidemment, qu'on démarre un petit peu en retard cette diffusion, mais c'était voilà, c'est indépendant de notre volonté. Hein, il faut bien attendre que les adversaires de la France aient fini de jouer pour qu'ils se présentent sur le terrain. Voilà, et c'est vrai que ça fait assez court pour récupérer du jus qu'ils ont laissé ce matin. Bien joué. Bravo, elle est bloquée, cette boule de Philippe Suchot. Dylan Rocher était sceptique sur la donnée, mais derrière, Philippe Suchot avait mis l'airbag. Ah, il a mis la rotation. Exactement. Attention de plus trop jouer en face au butin quand même. C'est l'homme des dimanches, Philippe Suchot, l'homme des grands matchs, l'homme des matchs tout près. Et là, l'occasion grosse mène, il ne la loupe pas. On a coutume de dire 1 sur 2, c'est déjà pas mal à la joue. Ben 2 sur 2 avec Philippe Suchot. 3, c'est 3, la main elle est payée. Maintenant, si Dylan le met, c'est du bonus. En tout cas, cette temporalité et puis ce terrain 1, voilà, face à ce demi-cercle de public, cette arène peut occasionner peut-être ces deux boules jouées très rapidement, ce stress inhérent à ces grands matchs. Dylan Rocher pour finir cette main. Il n'y a aucun doute que sa fille a un drôle de coup de pression. Là, hein. Oula, elle a mal frappé celle de Dylan. Oui, parti dans la carrière. Il a cassé du gravier, mais peu importe pour cette équipe de France. Lancé et 1 et 2 et 3-0 face aux Aigles. Ah, et ça commence à donner de la voix. Dans ce zénith de Dijon, tout acquis à la cause de la formation tricolore. 15 000 billets vendus à l'occasion de cette 51e édition des Mondiaux. Et notamment ce week-end était très prisé. Beaucoup de joueurs internationaux qui ont déjà porté le maillot de l'équipe de France. Ludovic Montoro, Mickaël Bonnetto sont aux premières loges pour voir leurs coéquipiers au sein du collectif France. Je ne cite que, mais on n'a pas arrêté d'en croiser depuis le début de ce samedi. Oui, mais c'est très bien qu'ils soient là. Voilà, ça, malgré certainement la déception qu'ils ont pu avoir, hein, ce qui est bien compréhensible quand on est un grand compétiteur comme eux. Mais après, voilà, il faut se dire que ce matin, Mickaël Bonnetto l'a dit. Voilà, moi, je suis jeune. Hein, bon, voilà, c'est comme ça. C'est certainement l'avenir de cette équipe de France, Mickaël Bonnetto. Et j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait qu'on le retrouvera
très bientôt, et peut-être même que c'est lui qui nous fera gagner des médailles d'or, parce que c'est la pépite de la pétanque française. C'est toi de naissance qui était au Bénin l'an dernier à Cotonou pour défendre les couleurs de la France. Troisième des derniers mondiaux, c'est bleu, et qui veulent évidemment la place de 1. Sidi Bengali, le capitaine de cette équipe, 28 ans, tireur de son état, qui a été stratosphérique face aux Suisses, mais là encore, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. C'est bien. Bon, ceci dit, il n'a pas fait une horreur, hein. Il a écarté, c'est pas mal tiré, hein. La boule elle est frappée, il a fait un peu de place. Bien joué. Bien joué, c'est parfait, bravo. Allez, Dylan, il faut essayer d'enfoncer le clou dès cette deuxième main. On a la boule d'avance, enfin, l'avantage de boule, parce que la boule d'avance, c'est un grand mot. Bien tiré, bravo. Touré, coéquipier en club à Monaco du tireur Sidi Bengali, qui va devoir retourner au cercle pour essayer de reprendre. Dans une position un peu particulière, hein, quand même. Bien joué. Manifestement, ça suffit. Le Mali qui a la particularité d'avoir été la 24e et dernière équipe qualifiée pour la phase de groupe. Avec une troisième victoire acquise lors du dernier match face à l'île Maurice. Ah, c'est gentil d'encourager les Français, mais si des fois on peut éviter de le faire au moment où il arme, c'est pas plus mal. Hein. Et ainsi, comme on dit dans le jargon des pétanqueurs, casser le bras. Tireur, ce serait évitable, oui. Bien tiré, Mauro. Alors vous entendez aussi quelques rumeurs, parce que il faut le signaler, sur ces 15 000 mètres carrés d'espace dans ce Zénith de Dijon, et les autres huitièmes de finale se déroulent en simultané. On vous donnera des scores uniquement une fois les résultats entérinés, mais sachez qu'il peut y avoir des bruits pour le coup parasites, mais qui ne concernent pas ce match. Voilà, parenthèse refermée. Chapeau bas même. Bravo, bien joué. C'est Lou Batidou qui a sorti quand même de cette triplette Mamadou Koumaré, qui avait été envoyé au tir de précision, l'autre milieu qui était le seul rescapé d'ailleurs de la sélection qui avait évolué au Bénin l'an dernier. Une mince affaire, comme cette frappe de Philippe Suchot. Vous, hier, on évoquait les frappettes de Philippe Suchot. Eh bien là, ça y est, l'altitude monte, ce sont des frappes. Depuis ce matin, c'est nettement plus fluide. Mais bon, ça étonne pas grand monde, hein, certainement. Et il a décidé de se baisser, hein, Saïdou, hein, contrairement à la première main. Oula, elle a pris celle-là. Pas mal. Oui. Elle a pris un mauvais virage, celle-ci. Elle aurait pu le gagner, mais dans les 30 derniers centimètres, elle a complètement viré. Alors il en a laissé deux, et là ça se présente encore pas mal, puisque là on a la boule d'avance. Alors certes, une boule dans chaque main, mais il faut déjà gagner ces deux points. Essayer de décoper un petit peu. C'est fait, bravo, c'est bien joué. Les Maliens qui arrivent sur la dynamique de championnats nationaux qui se disputent au Mali à la fin du mois d'octobre. C'est là qu'on a décidé de cette sélection, ce qui leur permet d'avoir une vraie continuité par rapport à ces championnats. Il faut frapper celle-là. Encore. Et ça permet à Mono de respirer. Il va pouvoir ajouter tranquillement. 2 sur 2 à la pointe, 2 sur 2 au tir pour Philippe Suchot.
Voilà un début de 8e. Mode patron. Qui a promis, c'est parfait, qu'il la raserait en cas de titre mondial. Lui, le bisu à ce niveau-là, évidemment, des paletots tricolores, il en a déjà porté. Mais son premier mondial, pour le moment, est une réussite absolue. La France qui passe la seconde. Gros matelas d'avance. Début de la troisième main, l'équipe de France qui n'a laissé que 4 points en moyenne lors de leurs 6 premiers matchs reste dans cette dynamique avec ce score déjà large face à l'équipe du Mali. Une équipe du Mali qui, Jean-Luc, a eu la mésaventure de perdre ses maillots nationaux. Vous ne voyez pas hein, les couleurs maliennes traditionnelles qui sont celles eh bien, normalement des aigles du vert, du jaune et du rouge, tout simplement parce qu'ils ont été perdus à Roissy. Ils avaient demandé à un taxi de faire la commission, mais il n'est pas arrivé à temps pour ces matchs-là. Ils ont donc été habillés par un magasin très connu en France, un magasin de sport qu'on ne citera pas mais qui leur donne de l'énergie, visiblement. Pas de chance, mais au moins ils ont le mérite d'être habillés pareil. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est très fort. Les fameux États des Unis. Allez, je fais cette petite citation et je vous paraphrase, mon cher Jean-Luc. Allez, aphorismes, autre citation qu'on adore. On a vu effectivement quelques accoutrements américains originaux qui nous ont rappelé quelques westerns. Le Far West. Allez, on revient au jeu parce que les Maliens ont perdu ce momentum qui était le leur face aux Helvètes. Non, mais après, vous l'avez très justement souligné, bien tiré. Ah oui, oui, ça c'est... Très justement souligné, ils ont laissé forcément beaucoup de jus ce matin, les Maliens. Et dernière partie au couteau pour créer cette surprise contre la Suisse, après 45 petites minutes. Et ils ne les ont même pas prises, les 45 minutes, hein, puisque ouais, ils sont arrivés un petit peu avant en plus. Donc c'est vrai qu'ils n'attaquent pas cette partie dans les meilleures conditions. Après ça, c'est malheureusement, c'est la faute de personne. Hein. C'est leur partie qui a traîné. Et... Oh, bien joué encore. Oh là là, il les dépose, Jean Feltin, les boules. C'est un canter qui nous fait. Ah ouais. On voit la rotation en l'air. Là. C'est, parce que là, quand on les joue comme ça, il vaut mieux hein, leur filer de la rotation parce que sinon, ça risque d'aller loin. Il y a le bouchon qui est quand même plus ou moins dans le coup au cas où. Ah, c'est court. Ouais. Il est un peu court, mais surtout pas droit. Parce que s'il avait été droit, le bouchon, il aurait giclé. On sert. On abandonne la partie. On sert pour moi. On va voir ce que cela va donner. Ok. Allez, petit. Bien joué. Il a peut-être même gagné. Il a trouvé un petit départ bien propre, Drissa. Il a joué dedans. Eh bien, allez. Allez, Didi, il faut continuer. C'est pas loin, il faut en profiter. Ah ouais, il a fait le pas. Elle est superbe. Bravo. Bien plié sur les genoux pour cette petite distance au niveau de l'Albatros. Regardez la fin de geste. On rappelle que ces matchs couperets se disputent évidemment en
en 13 points. On en a terminé avec le système suisse et l'horloge qui prévaut pour la phase préliminaire. Oui. Bien joué encore. Hein. Il n'a évidemment pas gagné le carreau d'Ilan. L'autre, je ne sais pas trop. Je dirais qu'il est coupé. On a la chance d'être un peu plus près. Mais c'est difficile de se mouiller malgré tout. Cette journée pluvieuse à l'extérieur. En Côte d'Or. Oh là là. Ah, mais... la bonne nouvelle, c'est qu'il a gagné le point. La mauvaise, c'est qu'il a complètement cassé la boule. Et c'était peut-être mieux d'en avoir deux dans le jeu. Ah, Dylan, celle-là est importante. De toute façon, elle va être quand même maintenant toute plus ou moins importante, mais celle-là permettrait encore d'avancer. Ah oui, bravo. Super pour Dylan Rocher. On parlait humidité. Les Maliens sont asséchés hein, niveau boule, donc on va encore pouvoir ajouter. Là, il y a un peu de place en plus. Philippe Suchot qui a déjà très très bien joué la première main. Après, dans ce terrain, il y a toujours moyen d'en laisser un en route, mais là je pense pas parce qu'il y a un beau départ là, un mètre devant la boule. Bravo. Oui, évidemment, c'était déguidé. Et là, c'est du grand art pour l'instant. Là, celle-là est déposée. Déposée aussi. Et bien 4 points de plus. Maître Suchot sur son arbre ajoute 2 points qui font 4 et le total donc qui se porte déjà à 10-0 pour le Mali. Attention à se réveiller avant que la fin n'intervienne. Ça pourrait aller très très vite dans cette rencontre. La Tunisie au cinquième tour fut la seule équipe Fanny contre les Bleus, même si les Burkinabés n'ont remporté qu'un point. Les Américains aussi, lors du premier match, c'était jeudi soir, n'avaient été réduits qu'à une unité au compteur. Et là, on sent que cette équipe de France n'est pas prise par le vertige du vide de ces matchs à élimination directe. Et loin de là. On joue un peu plus loin. J'ai l'impression. Oh là 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 là, là. Ouais. Ah, ils sont tous au diapason. Hein. Les gens savent qu'on joue à 6 mètres, à 10 mètres ou à 25 mètres, c'est pareil. Il est toujours à 10 cm du but. Le Girondin qui va faire quelques cheveux blonds à David Le Dantec. Le capitaine, s'il y a, et ça semble probable, tour suivant dans cette équipe de France, 4 étoiles. Alors, bien tiré, bravo. Sidi Benigali, qui ma foi, démérite pas spécialement, mais bon, ça joue très très bien côté français. Quand on fait le match avec un champion du monde tête à tête qui est Mikey Molinas, le Suisse, tout à l'heure lors d'une partie de barrage, c'est quand même qu'on s'est bien tiré. On a parlé de la surprise de la Suisse, mais a-t-on parlé de... Moi j'en ai vu une autre surprise, Monaco qui sort pas de cette poule avec le Luxembourg et le Canada. Ça m'a un peu épaté quand même. Avec un Vincent Fernandez qui offrait en plus beaucoup de garanties hein, depuis le début d'année. Qui était... Oui, j'ai pas trop suivi cette partie, mais bien joué encore. Ben c'est pas grave, hein, on y est retourné. Il remet la même, le licencié du club de Mouliez. Et on y retourne côté Sidi, mais bon, à un moment donné, il va tout bien finir par s'épuiser. Bien tiré encore, hein, bravo.
Alors il y a quand même de belles confrontations. Bon, c'est un petit peu normal, hein, on arrive quand même dans les huitièmes de finale. Espagne-Bénin. Aïe, 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 aïe. Ah, ça c'est pas terrible parce que cela, bon, même si le terrain est dur, il doit y avoir moyen de les gagner. C'est pas top quand même. Encore une de posée. Alors à savoir que les 8 équipes qui ont terminé les premières des groupes, elles ont toutes subi un contrôle d'alcoolémie. Voilà. Il y a eu un rappel de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provençal sur les règles antidopage lors de ces 51e mondiaux. On s'est mis en difficulté côté Mali parce que bon quand la boule a été frappée, ah, on continue, ah, bien tiré, hein, bon, on continue, mais là on est en retard au niveau des boules. Sidi Bengali qui à l'âge de 15 ans a vu ses premières images de pétanque. Et qui il avait vu en image? Un certain Philippe Quintet. Bah ça c'est étonnant. Français aux 14 titres mondiaux, qui évidemment a imprimé la rétine de ce jeune homme qui jouait sur des terrains à côté de sa maison à Bamako. Qui derrière a tout fait pour se procurer ses boules. Il a créé quelques vocations comme l'autre Philippe, co-recordman du monde, deux titres mondiaux et qui pourrait du coup devenir le seul homme à 15 titres sous les yeux de Jean-Luc Reichmann, fan de pétanque de la première heure et de ses joueurs de l'équipe de France notamment. On a vu à ses côtés Marine Bonetto également, ancienne championne de France de doublette mixte côté de son mari Michael Bonetto. Double, s'il te plaît. Oui, exactement. Bien tiré. 2022-2023. Ah non, mais c'est important parce que ce sont des titres rares à conserver. Ah oui. C'est arrivé qu'une fois dans l'histoire. Et je crois que c'est d'ailleurs un certain Philippe S qui avait réussi la passe de 3 en doublette mixte au championnat de France. On a quelques bibles qui pourraient nous confirmer ça dans l'oreillette. Il en a un paquet des records, on en a parlé hier déjà. Compliqué, oui, effectivement, à suivre. Mais il est dans le présent. Bien joué. Là, rien à dire. Pour l'instant, on ne perd pas un point côté français et on ne manque pas de boule. Donc, certes, même si le Mali, là, on a joué deux moyennas, ça quand même, ça leur laisse pas vraiment le temps de respirer. J'ai admiré cette amorce. Ludovic Montoro, le pointeur, membre de ce collectif France, regardant. Monsieur Suchot pointé également. Alors là, il faut y frapper. Là, c'est manqué perdu. Hein. Oh, c'est long. Ah oui, je crois que la messe est dite. C'est terrible. Ils ont pris leurs responsabilités, ces joueurs du Mali quand même. Ils n'ont pas joué. Bon, ils ont joué avec leurs moyens. Ils n'ont pas joué petit bras. Et, voilà, on l'a dit, ils ont attaqué cette partie dans des conditions un peu difficiles pour eux parce que certainement un peu lessivés, certainement un peu
usés par la matinée, pas trop de temps pour se restaurer. Et regardez la rigueur quand même, hein. L'analyse du terrain malgré tout des Bleus. Oui, effectivement, Dylan Rocher en a mis 153 442 dans sa carrière. Des appoints plus difficiles. Mais celui-là, c'est un mondial. Et on rajoute Posé, celle-ci aussi. Ça, c'est des écoles. Je suis parti à monter dans les écoles de pétanque. Et c'est fini. Exit le système suisse, place au système français. 25 minutes et 5 mènes pour dominer une équipe du Mali, certainement encore dans son match de barrage. Pas de deuxième exploit de suite pour les Aigles qui, après leur victoire sur la Suisse, retournent dans le nid. Victoire 13-0 des tricolores. Ouais, copie parfaite parce que je ne sais pas si on peut voir les stats ou pas, mais à mon avis, on est à 100% partout. Mais quand même, voilà, un coup de chapeau à cette équipe du Mali parce que d'abord, ils ont joué dans un très très bon esprit. Après, ils se sont défendus avec leurs armes et ils méritaient d'être là. Mais bon, mais évidemment, lutter avec cette équipe de France-là, c'est compliqué. Mais ils peuvent être fiers de leur parcours, les Maliens.